Yo les gars, c'est toi Nag. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les cubes d'Inoxtag. Ça faisait longtemps les gars, mais là je suis obligé de vous sortir cette vidéo parce que le live événement d'Inoxtag arrive dans 2 semaines. Alors voilà, il faut être préparé les gars. Faut que vous puissiez savoir combien de cubes il reste à chercher, combien de cubes on a trouvé, etc, etc. Puisque les gars, ça arrive très très vite et tous les cubes n'ont pas encore été trouvés. Donc là ça va être une grosse vidéo mise à jour pour vous compreniez tout, pour vous soyez un peu au courant de tout ce qui s'est passé. Je vous faire un bref récapitulatif, vous allez tout comprendre et je vais surtout vous aider pour le dernier cube parce que oui, il reste encore un cube à trouver et que ça va se passer là ce week-end là, ça va se passer très très vite les gars, puisque pas ce week-end là, mais suite après, il y a le gros live événement d'Inoxtag sur le cube les gars. Rappelez-vous, on avait 1 mois et demi pour trouver les cubes, rappelez-vous les gars. Donc là ça arrive très très vite, là je vais vous faire une vidéo pour vous compreniez tout et voilà quoi. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me poser des questions dans les commentaires comme d'habitude et bon visionnage. Donc là les gars, je vous ai remis la vidéo cube d'Inoxtag, vidéo qui a fait plus de 3 millions de vues. Vous aviez été énormément à la regarder. Alors je vais juste survoler la vidéo, vous faire 2-3 petits arrêts sur image, histoire de vous réexpliquer un peu le contexte. Je vais pas vous remontrer tous les indices puisque ça je vous ai déjà fait une playlist énorme. Et puis de toute manière il y a des indices qui servent à rien puisqu'il y a des cubes qui ont déjà été trouvés. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer surtout un peu quels cubes ont déjà été trouvés, quels indices servent à rien et surtout quels cubes il reste à trouver et quels indices sont importants. Parce que il y a le live Inoxtag qui arrive vite et faut pouvoir avoir trouvé tous les cubes hein. Les gars, Inoxtag il comptait sur nous pour trouver tous les cubes. Il reste encore des cubes à trouver les gars. Je vais vous faire des petits arrêts sur image parce que je pense qu'il y en a qui ont pas trop suivi et qui ont besoin de comprendre. Je vais vous réexpliquer le contexte, vous allez tout comprendre. Let's go. Allez c'est parti pour lancer la vidéo. Je mets le casque, let's go. Bon Flash, comment c'était dit? Ok, 21h45 dans le sas. Donc voilà, hein, le début c'est tout simple, on comprend que Inoxtag et Flashboy, ils ont un plan précis, mais on sait pas encore quoi. Et là, ils arrivent devant un bâtiment appelé Cube Factory. On va comprendre plus tard que Cube Factory, c'est vraiment la marque qui fabrique les cubes. Bienvenue chez Cube Factory, les voix qui contrôlent la hype. Voilà, là ils sont rentrés à l'intérieur de Cube Factory et ils vont tomber sur une publicité. C'est là qu'on va comprendre c'est quoi les fameux cubes. Comptez parmi nos 30 actuelles boîtes pour vous accompagner dans tous vos projets. Là il dit nos 30 actuelles boîtes pour vous accompagner dans tous vos projets. Alors il n'y en a pas 30 qui sont cachées, il y en a seulement 3 qui sont cachées. Ça va être les 3 nouvelles, il va le dire juste après le mec. En ce mois de juillet, je suis fier de vous présenter nos nouveaux arrivages, les boîtes d'animation japonaises, cyberpunk et drill, les hype actuels chez les plus jeunes. Donc voilà, ça c'est les 3 nouveaux arrivages, c'est-à-dire les 3 nouvelles boîtes. Donc voilà, donc là, ces 3 boîtes, les gars, en fait, c'est les boîtes qu'on va devoir chercher, c'est les nouveaux arrivages. En gros, Inoxtag et Flashboy, ils sont allés les prendre et ils vont les disperser dans toute la France, on va devoir les retrouver. Par contre, il y en a déjà 2 sur ces 3 qui ont été retrouvés, je vais vous dire lesquels c'est. Donc, la boîte japonaise, ici tout à gauche, a déjà été retrouvée à Marseille. Je vous ai fait une vidéo, je vais pas vous dire comment on l'a trouvée, etc. Allez voir l'ancienne vidéo. Là, la boîte du milieu, la drill, c'est celle qui est à Paris. On sait où elle est, sa localisation. Par contre, elle n'a pas été récupérée encore. Parce que pour récupérer la boîte, il faut un code de déverrouillage. Donc, on a la localisation, mais on n'a pas encore le code. Donc, celle-là, elle est encore en attente d'être récupérée. Et la boîte tout à droite, Cyberpunk, a déjà été trouvée. Elle, c'est celle qui était sur le serveur Minecraft. Je vous réexpliquerai plus tard, très vite fait. Bref, je remets la vidéo. Voilà, là, on voit un mec avec une mallette. Et c'est ça, la mallette, où il y a les cubes. Et Inoxtag et Flashboy, ils vont la récupérer, vous allez voir. Et voilà les 3 cubes. Le japonais, le cyberpunk et le drill. Ah là, on pèse. Voulez-vous que j'envoie? Léa, en reste. Ah, Léa. Hey. Oui. D'accord, c'est envoyé. Ouais, donc là, ils se font griller, ils vont devoir courir. Faites quoi ici? Taille, 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 taille. Voilà, là, ils sont coincés dans l'ascenseur avec les cubes. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Là.
vont prévenir tout le monde, gros, on est fichu. Gros, ils nous attendent déjà tous en bas, on est bloqués dans l'ascenseur. Ils vont tout simplement rentrer dans les cubes et c'est là qu'on va avoir tous les indices. Quoi ? Là, je peux rentrer dans la boîte. C'est pas ça, je sais pas, il y a forcément un truc sur la boîte, je sais pas, il y a pas un truc derrière. Là, comme dans la vidéo là. Attends, fais ça. Et voilà, ils sont dans la boîte. Et donc là, les gars, très important ce que je vais dire. Chaque monde correspond à des indices uniquement sur un cube précis. En gros, une fois qu'on est dans le monde japonais, ce sera que les indices pour le cube japonais. Une fois qu'on est dans le monde drill, ce sera que les indices pour le cube drill. Et une fois qu'on sera dans le monde cyberpunk, ce sera uniquement les indices pour le cube cyberpunk. Voilà. Là, on rentre dans l'univers Japon. Là, je vous le dis direct, les gars, ça sert à rien de regarder les indices. Ce cube a déjà été trouvé à Marseille. Donc voilà, ça sert vraiment à rien. C'est juste, je vous montre vite fait, mais c'est pas sur ça qu'on va s'arrêter. Initialisation du premier univers. Bienvenue dans la boîte d'animation japonaise. Oh la dinguerie! Mon gars, on est dedans là! On est dedans! On est dans les boîtes! Mec, c'est quoi cette montagne de fou furieux? C'est le mot Fuji ça, non? Mais c'est le mot Fuji ça. Même le temple, il est incroyable! Ça! Faut que je mette pause au bon moment. Voilà, donc là, les indices principaux de ce cube, ils étaient ici. Il y avait des indices sur les Instagram d'Inoxag et de Flashboy. Là, il y avait un écriteau qu'on devait traduire à l'aide de toute une énigme qu'on a résolue sur Instagram. Ça nous donnait l'adresse parce que ça nous donnait la traduction de ça. Et on retrouvait le cube à Marseille, à La Ciotat, dans un restaurant. Il a été récupéré il y a de cela 2-3 semaines. Et voilà. Donc ce cube, il sert à rien. Ça sert à rien de s'arrêter dessus. On va passer à la suite. Là, on va changer de monde, on va passer à l'univers cyberpunk. Par contre, les gars, celui-là aussi, il a également été trouvé, donc c'est pareil, on va pas trop s'arrêter, je vais juste vous expliquer en une phrase vite fait comment ça s'est passé. Programmation du nouvel univers. Donc là, les gars, regardez bien le sponsor Predator. Moi, personnellement, je pense que ça ne m'étonnerait pas que parmi ceux qui ont trouvé les cubes, il y aurait un bête de PC à gagner. Parce que tout le truc, il est sponsorisé par Predator. Donc c'est un peu ce que je pense. Donc voilà, donc là, une fois qu'on est dans cet univers, on mettait pause au bon moment, on tombait sur un petit texte à l'envers, il y avait écrit Minecraft, Ender Games, machin, c'était la toute première vidéo d'Inoxtag. Et quand on allait dans la description, on tombait sur le lien d'un serveur Minecraft, et sur ce serveur Minecraft, il y avait absolument toutes les énigmes pour retrouver le cube, et le cube a été récupéré. Regardez, je vous mets une petite photo. Regardez, le cube, il était caché dans un magasin à Lille, dans la bouche d'un crocodile. Ça, c'est exactement l'image du cube caché. Regardez, tac. Voilà, donc il était juste ici le cube, dans un magasin. Et celui de Marseille par contre, il était dans un restaurant. Donc on pouvait pas trop le prendre en photo et tout. Le mec nous empêchait de prendre en photo, on pouvait juste le regarder. Par contre, c'est les deux seules photos de cube que j'ai. Puisque après, le cube... Ah bah non, je suis con, j'ai des photos du cube de Paris. Il est dans une vitrine, dans un magasin. J'ai des photos du cube de Paris, je vais pouvoir vous montrer juste après les gars. Donc voilà, donc là il y a tout le monde cyberpunk. On va le passer, il vous intéresse pas, le cube a déjà été trouvé. On va passer directement au monde drill. Là où il y a le dernier cube à trouver. À la petite transition du monde cyberpunk au monde drill, et là vous allez voir. Et voilà, on est arrivé dans le dernier monde, le monde drill, là où il y a le dernier cube à trouver. Et là, je vais vous expliquer 2-3 petits trucs. Donc là, les gars, faut savoir que avant tout, c'est une prestation artistique cette vidéo. Donc, Inoxtag qui aime faire des productions
des beats. Il pouvait mettre en avant un peu de la musique, parce que c'est la passion qu'il partage un peu avec Flashboy. Et en même temps, mettre en avant les talents de Flashboy, qui lui fait de la danse, des chorégraphies animées avec des logiciels et tout ça. Donc c'est vraiment le but de cette vidéo, c'était un peu de montrer un peu ce talent-là. Et en même temps, de nous faire participer au truc, quoi, nous faire chercher les cubes. D'ailleurs, les gars, si ça vous chauffe, je prends une prod que je surkiffe sur cette vidéo, la production Cyberpunk ou la drill, et je dois faire un son dessus. Voilà, si ça vous chauffe, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Bref, on repart sur la vidéo. Voilà, là, je pense que vous l'avez vu, il y avait un indice. Juste, je vous ai déjà montré tous ces indices, mais c'est pour vous montrer un petit exemple. Voilà, là vous l'avez vu, il y avait des coordonnées qui s'affichaient sur les lunettes. Alors, des coordonnées, il va y en avoir un peu partout sur cette vidéo. Et une fois qu'on les aura rassemblées, ça va nous donner une adresse. Le Tsume Store à Paris, et c'est là que le cube il se cache. Regardez, je vais montrer des photos. Donc voilà, ça c'est le cube qu'il y a à Paris. En fait, il y a une vitrine avec des figurines d'exposition. Et derrière une figurine, il y a le cube qui est caché dans un coin. Regardez, il ressemble à ça. Et tout simplement, ce cube, on peut pas le récupérer puisqu'on n'a pas encore le code de déverrouillage. Rhino Shield, autre sponsor de la vidéo cube d'Inoxtag. Donc voilà, c'est bon à savoir au moins, vous le savez. Là les gars, il y avait un truc qui m'intriguait sur ce moment de la vidéo. C'est qu'il y avait beaucoup de 7. On n'a pas réussi à comprendre qu'est-ce que ça veut dire le chiffre 7. Donc si vous avez une idée, dites-moi en commentaire. Mais là, regardez, on a le chiffre 7 là, le chiffre 7 là, le chiffre 7 là. 17 juillet, 7h07. On n'arrivait pas à comprendre un peu pourquoi il y avait ce chiffre 7. Et là, il y a combien de personnes sur l'image? Il y a 7 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Derrière Inoxtag. Il y a 7 personnes derrière Inoxtag. Donc, on n'arrivait pas à comprendre un peu comment ça se faisait. Et voilà. Donc, si vous avez une idée, dites-moi en commentaire. Vraiment, j'arrive pas à savoir. J'ai l'impression que c'est un indice, mais j'arrive pas à savoir. Voilà. Donc, dites-moi si vous avez une idée en commentaire. Voilà, donc là, le mec, il va rentrer dans l'ascenseur, il va voir les cubes, et là, ça va être la fin de la vidéo, vous allez comprendre. Oui, c'est pour les gens. Dispersion des boîtes dans toute la France. Éjection dans 3, 2, 1. Voilà, là, ils sont sortis des cubes, et là, c'est la merde, ils vont se faire taper. Ah bah, vous tombez bien, bon, vous allez pas me croire, mais... Voilà, là, ils se réveillent un peu dans un endroit, ils sont attachés, ils sont pas, ils sont. Et là, on va comprendre ce que nous, on va devoir faire. Donc là, il y a un mec qui arrive, je pense que vous l'avez reconnu, c'est le patron de Cube Factory, celui qu'on a vu dans la vidéo tout au début, qui expliquait. Boîtes, vous en avez fait quoi? Les boîtes, en fait, elles sont perdues, elles sont dispersées dans toute la France, et lui, il veut les retrouver. Et là, il leur demande, elles sont où, mes boîtes, tu vois? C'est qui, toi? Elles sont où, les boîtes? C'est lui, là. Je sais pas. Depuis qu'il a tapé, il y a eu une alerte et les boîtes se dispersent en France. J'en sais rien. Je n'ai rien compris. Je sais même pas où je suis. Je vois. Voilà. Donc là, il y a une grosse incompréhension. Il n'arrive pas à savoir ce qui s'est passé. Ils savent juste que les boîtes, elles se sont dispersées, mais sans plus. Vous avez déclenché la procédure d'urgence. Lorsqu'elles sont manipulées pendant que les gens sont dedans, les boîtes éjectent les occupants et se répartissent partout dans le pays. Qu'est-ce qui me chie, lui? Il va falloir me les retrouver, ces boîtes. Voilà, là, il vient d'expliquer. C'est la procédure d'urgence qui a été déclenchée et que les boîtes, elles se sont éparpillées partout. Voilà. Je vais pas me laisser niquer par deux petits merdes comme vous. Ça vaut de sacrée thune, votre connerie, là. Vous ne sortirez pas d'ici. Tant que j'ai pas ces boîtes entre mes mains. Comment on est censé savoir où elles sont? Normalement, dans l'espèce de pipe que vous avez fait au sein de ces boîtes, il y a tous les indices pour les retrouver. Donc voilà, là il dit clairement que dans les clips qui ont été faits dans les boîtes, il y a plein d'indices. C'est là qu'on comprend comment on va devoir procéder. Toi, je te laisse prévenir ta communauté qu'ils ont un mois et demi pour retrouver ces boîtes.
Et là, on nous dit qu'on a un mois et demi pour retrouver ces boîtes. Et là, ça fait bientôt un mois et demi. Et il n'y a que deux boîtes qui ont été trouvées. La troisième a été trouvée, mais pas récupérée. Voilà, donc ça va arriver très très vite. Il y a une caméra juste ici. Bon, les refs, c'est la merde. Depuis qu'on a tourné le clip dans les boîtes, là, on est enfermé ici. Je sais pas quoi faire, je crois que toutes les boîtes, elles sont cachées dans toute la France. Regarde, dis-leur bien que les indices sont cachés dans le clip, en fait. Alors bien observer, si vous voulez nous aider et sortir de cette situation. Les gars, on compte sur vous, je vous fais confiance. Mais bon, je me fais pas de soucis. On est 4 millions maintenant. Et voilà, ça c'était l'événement pour fêter les 4 millions. Et là, c'est à nous de jouer et de retrouver les boîtes. On va voir un texte qui va expliquer les choses, là. Regardez. La chasse peut commencer. À vous de trouver les boîtes cachées partout en France. N'importe lequel d'entre vous peut tenter sa chance. Voilà, donc vraiment n'importe qui peut trouver les boîtes, les gars. Après, c'est vrai qu'il y a des choses plus ou moins dures, mais je vous ai fait des petites vidéos récapitulatives comme ça. Vous pouvez comprendre et avoir vos chances de trouver les cubes. Surprise attendra les gagnants en live le samedi 4 septembre à 20h30. Alors c'est vraiment dans pas longtemps du tout, le samedi 4 septembre. C'est dans 2 semaines tout pile. C'est pas ce week-end, c'est celui d'après. Donc les gars, ça arrive vraiment très très vite, les gars. Là, il y a les croutons Mexique dès qu'il y en a. C'est la fin du cube, les gars. C'est la fin du cube. Merci d'avoir regardé. Et voilà. Et là, c'est la fin. Donc voilà, c'était un bref résumé de la vidéo pour vous remettre dans le contexte. J'espère que vous avez tout compris. Maintenant, on va passer à la suite qui va vous permettre de comprendre un peu pour ce dernier cube comment ça va se passer. Et aussi, je voulais vous expliquer un truc sur la théorie des cubes secrets. Vous n'étiez pas nombreux à l'avoir regardé, mais il y en a quand même beaucoup qui sont au courant de ces cubes secrets. Donc je vais vous expliquer parce que je sais enfin ce que c'est que ces cubes. Donc là, en remettant la vidéo au ralenti, on a les adresses. Je vous les remontrer très très vite fait. Regardez, hop. Je vous mets la vitesse ralentie. Voilà, là on a des coordonnées qui sont apparues sur les lunettes. Fallait mettre pause au bon moment. Mais ça suffit pas à avoir une adresse. Il va falloir attendre les autres qui sont juste après dans la vidéo. Là donc il va y en avoir deux autres des coordonnées juste là. Regardez. Voilà, donc là il y a une coordonnée juste ici. Donc deuxième coordonnée. Et la troisième, elle va être un peu avant. Regardez, juste un poil avant. Voilà. Tout en bas, entre les deux jambes d'Inoxtag, il y en a une. Alors, ces coordonnées, quand on les remet dans l'ordre, on a l'adresse du Tsume Store à Paris. Regardez, regardez, je vais zoomer. Vous allez voir, c'est le Tsume Store juste ici. Et de toute manière, on s'est dit que c'est ça, puisque c'est un des sponsors de la vidéo. Et quand on s'y rend, on va avoir des indices. Le mec, il va nous envoyer des indices avec des énigmes. Ces énigmes, on va devoir les résoudre. Et ça va nous envoyer vers un compte Instagram. Je vais vous remonter le compte Instagram. Donc voilà, ça c'est le compte Instagram de l'indice final. Et là, on a des publications de photos. Donc c'est un endroit dans la rue. Voilà, là on a une plante. Là, on a une vidéo quelque part. Et là, on a aussi un immeuble. Donc voilà, donc là il faut retrouver cet endroit qui est dans Paris. Et une fois qu'on a retrouvé cet endroit, et ben ça va nous donner un indice pour le code de déverrouillage. Donc cet indice du code de déverrouillage, c'est juste la moitié du code pour récupérer le cube de Paris. Et l'autre moitié va nous être donnée ce week-end qui arrive. J'en suis sûr, ça peut arriver que ce week-end. Donc le deuxième indice du code final va nous être donné ce week-end. Donc là, une fois que vous avez trouvé la rue, il y a un indice présent sur la rue et un autre indice sur ce week-end qui va nous être donné. Donc une fois qu'on aura assemblé ces deux indices, eh bien on aura le code et ce sera le premier qui ira au Tsume Store donner le code, qui repartira avec le cube et qui participera au live d'Inoxtag le 4 septembre. Voilà, donc là vous êtes au courant pour le cube de Paris. Je vous avais dit des petits indices dans la dernière vidéo pour retrouver la rue. Alors moi j'avais utilisé que cette photo, les gars, cette photo pour retrouver le nom de la rue. Et ensuite j'avais utilisé des autres pour confirmer, genre si ça ressemblait bien au bâtiment. Quand je mettais sur Google Maps, effectivement, c'est les mêmes bâtiments. Alors, c'est tout simple, je vous donne un petit indice. Retrouvez la race de cette plante. Voilà, vous retrouvez juste la race de cette plante. Et ça vous donne un nom similaire au nom de la rue. Voilà, surtout que si vous allez aussi sur le Instagram de Flashboy, voilà, autre indice.
Si vous allez sur le Instagram de Flashboy, dans ses publications, il y a aussi des indices dans la description en lien pour moi avec l'indice que je vous ai montré juste avant. Voilà, ça, par respect pour ceux qui ont déjà trouvé, je peux pas vous dire exactement puisque je vais me faire insulter tout simplement par ceux qui ont trouvé, parce que ceux qui ont trouvé ne veulent pas que je donne cet indice. Alors là, je vous aiguille très très fort sans trop vous dire, mais normalement, si vous cherchez un petit peu, vous devriez trouver. Voilà, et dans une autre vidéo, je vous avais parlé de cube secret, tout simplement. En fait, je vais vous remontrer. Quand on va regarder le making of d'Inox Tag, un endroit, il va ouvrir les cubes. Et je vous avais dit qu'en fait, il n'allait pas ouvrir 3 cubes, mais 5 cubes. Regardez, je vous remets la vidéo à vitesse réelle. Tac, tac, tac. Regardez, il va ouvrir son colis. Donc là, il ouvre le colis, hop, il sort un gros cube déjà. Ce gros cube, il va l'ouvrir. Et voilà, il l'aura ouvert et on n'aura pas vu la suite. Donc, tu vois, tu te dis, mais attends, pourquoi on voit pas? Et là, ensuite, il va ouvrir un autre colis. Dedans, il y aura 3 petits cubes et un autre gros cube. Voilà, donc il va ouvrir les 3 petits cubes. Voilà, un par un, ça va être les cubes drill et tout. Mais il va pas ouvrir le deuxième gros cube qu'on va voir. Donc, il y a 2 gros cubes qu'on va pas voir. Et j'avais émis une théorie comme quoi, c'était des gros cubes qui étaient des cubes secrets cachés dans toute la France. Ou alors, des cubes qui allaient donner pendant son événement live. Mais je m'étais totalement trompé. Et vous m'aviez dit dans l'espace commentaire ce que c'était que ces cubes. 2-3, vous aviez trouvé. Et franchement, bien joué à vous, parce que j'y avais pas pensé. Je vais vous le dire tout de suite. Donc là, voilà, il ouvre les 3 cubes. Il y a le cube cyberpunk. Ensuite, il ouvre un autre cube. Ça va être quoi? Ça va être le cube japonais. Et ensuite, il va encore ouvrir un autre cube. Ça va être le cube drill. Voilà. Et on va pas voir plus que ça. Mais si on regarde bien dans la vidéo, quand il parle de la fabrication des cubes, au tout début de sa vidéo, dans l'intro, regardez. Et je me suis dit, mais comment je vais faire pour cacher des mini-cubes que j'ai, qu'avec Flash, on a inventé? Et là, regardez, quand on a cette vidéo du cube, eh bien, on voit tout simplement un truc en Pepsi glace qui entoure le cube. Une espèce de protection en verre, une protection transparente. Et dans nos têtes, comment on va les faire en vrai? Et là, j'ai fait quoi? Et voilà. Et là, vous allez voir. J'ai appelé Tomé, ceux qui font ces figurines-là. Je me suis dit, je porte mes couilles. Ouais, je vais appeler Cyril. Ouais, Cyril, bon, j'ai un concept de vidéo avec des boîtes. Voilà, donc là, il est en train de fabriquer le cube. Et là, il y a un socle. Regardez ce socle-là, là où il y a ma souris. Il va aller avec la petite box en verre, la box transparente. On a 2 mois, ça le fait, il me dit. Voilà, donc c'est tout simplement le socle avec la petite protection vitrée par-dessus. Et pour moi, c'est ça qui se cachait derrière les gros cubes qu'on voyait sur la vidéo. Donc, c'était pas des cubes supplémentaires, c'était juste les protections. Puisque regardez, quand on va regarder le cube qui a été trouvé à Lille, eh bien, on a exactement ça. Voilà, le cube à Lille, il est sur un socle avec un truc, une protection en verre. Avec ça, et c'est vraiment ce qu'on voyait au début. Donc, la théorie des cubes mystères, je suis désolé, mais pour moi, elle prend fin. C'était juste les protections qui étaient dans l'emballage qu'on voyait. Et là, je pense que je vous ai tout dit, je vous ai préparé, je vous ai annoncé que ça allait arriver ce week-end, parce que pour moi, il n'y a pas d'autre solution. Les indices, ils sont tout le temps donnés le week-end, et que ce week-end-là, c'est le dernier week-end possible, puisque le samedi d'après, eh ben, ça va être le live d'Inox Tag. Donc, pour moi, c'est la dernière ligne droite, c'est maintenant qu'on va trouver les cubes. Je vous ai tout donné niveau indice, je vous ai tout expliqué. Les anciens cubes, on s'en fout, je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Si vous voulez voir les énigmes, je vous conseille, parce qu'elles étaient vachement intéressantes, comment on les a trouvées, comment on les a résolu, c'était un truc de fou malade. Je vous conseille d'aller voir, mais focussez-vous aussi sur le cube de Paris, parce que c'est le moment de le récupérer. Voilà, là je vous ai donné les clés en main, j'ai répondu à toutes les théories. Là voilà, c'est la fin du cube, c'est maintenant, voilà, c'est là qu'il faut tout donner. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, le petit like, le petit abonnement, et on pose les questions dans les commentaires si on en a, parce que moi je regarde toujours tous les commentaires et je réponds à vos questions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous tiens très très vite informé, et il y a des gros concepts très très lourd qui arrive, ne vous inquiétez pas. À plus.